Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères, les profs d'art plastique, qui savent pas dessiner. Les amis, celui de la vidéo, je veux parler de certaines meufs qui sont soi-disant amoureuses des rappeurs, mais vraiment, genre ouais, depuis que je suis petit, j'attendais de trouver le bon quoi? Ces meufs-là, le bon coin, la vie de ma mère, le bon yop, ces meufs-là, elles ont du fromage râpé dans le boule, voilà. Elles sont là, elles te disent quoi? Ouais, je suis amoureuse de Gradure, il est trop beau, Gradure, il est trop beau, il fait 1m20, c'est un mannequin pour chien, le type, voilà. On dirait un staff, voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Gradure, oh, c'est Gradure, c'est un cercle, voilà, c'est un cercle circonscrit que tu me racontes, il est beau. Tout ce qui vous intéresse chez les rappeurs, c'est leur pognon et leur notoriété. Vos grand-mères qui écoutent Notorious Big, c'est la vérité, c'est la vérité. Genre, ouais, quand je vois des meufs dire quoi, Jules, c'est l'homme de ma vie, et le plus beau mec du monde, c'est Jules. Jules, il est beau, on dirait un Allemand du 3ème Reich, voilà, c'est le sang, Jules, je l'aime bien, mais on dirait Titeuf, il est pas beau, la vie de ma mère. Il a une calvitie sur le côté, c'est le seul en France, avec une petite mèche blonde, voilà. Eh mais oh, le mec c'est Linkin Park, un skater, c'est la vérité. C'est un bon Jules, mais tu vas pas me dire c'est un mannequin. Pareil pour tout le monde, les PNL. PNL, on dirait deux blédards qui viennent d'arriver de Syrie, à la nage, la vie de ma mère, toujours torse nu, ils ont pas de dégaine, ils s'habillent chez Célio, voilà que c'est un truc de fou, cheveux longs au miel, l'autre, il y en a un des deux, il y a Ademo, ça va, il passe, mais il y a l'autre, son frère, là, la vie de ma mère, il est, c'est pas son frère, voilà, c'est son oncle, un ivrogne, il est bizarre, torse nu, grand, bizarre, arrêtez de dire que vous les aimez vraiment, et genre, ces meufs-là vont te dire quoi? Ouais, mais, ce qui m'intéresse chez eux, c'est pas leur célébrité, c'est leur célébrité, la vie de ma mère, c'est leur célébrité. Les bites, leurs bites qui vous intéresse. Arrêtez de me prendre pour des connes, bande de chouins. Vous êtes pas des meufs, vous êtes des chouins, c'est la vérité. C'est pas des meufs ça. Vous savez où vous finissez ce genre de meufs? Vous allez en boîte le samedi et on vous met dans leur table, comme des petits, comme des verres, vous êtes des verres, voilà. Vous êtes des petites bouteilles de vodka, on vous pose sur la table, comme ça. Vous avez même plus de personnalité. Oh la meuf te dit quoi? Ouais, MHD il est trop beau. Pourquoi tu le trouvais pas aussi beau quand il était livreur de pizza? Livreur de pizza tout maigre, on dirait une fourmi. Voilà que MHD on dirait une fourmi. Oh, dans son premier clip où il a buzzé Champions League, il a un petit maillot du Bayern, je crois c'est un fou. Il a acheté sur je sais pas quoi, frère. Donc arrêtez de dire ça, arrêtez de vous voiler la face. Vous pouvez aimer les artistes pour leur musique. Vous dites oui, c'est un artiste, je l'aime en tant qu'artiste. Mais dites pas ouais, je le trouve trop beau. Son visage, SCH, la vie de ma mère. Sa grand-mère, le séchoir qui sèche rien du tout. Ah, petite queue de cheval, la vie de ma mère. On dirait un danseur de claquettes. Voilà, un danseur de jazz. Hors sujet, le mec. Tout fait, un petit Colombien. Il est trop beau, il est magnifique. Avant de percer, il était pas magnifique du tout. Il était manirien, voilà, manirien. Donc arrêtez de mentir, de vous mentir à vous-même. La vie de ma mère. Oh, y a quoi dans votre boule, la vie de ma mère? Y a une falaise, y a une cascade, y a les chutes du Niagara, les chutes du Akimela. Voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà, faut arrêter de se mentir. Maintenant, si vous les aimez, ils vous aiment pas. Voilà, qu'ils vous aiment pas, ils vous connaissent pas, et ils sont pas dupes, ils sont pas cons. Oh, y a 2-3 ans, ils étaient moches, et ils allaient parler aux meufs, les meufs. Montait la vitre pour pas leur parler dans la rue et maintenant vous mouillez. Vous connaissez le proverbe, mouiller le maillot, c'est au stade, ces meufs là elles mouillent le cucu, la vie de ma mère. Bon, ciao.